Hello les jolis cœurs et bienvenue pour une nouvelle série de vidéos qui j'espère vous plairont. Ceci est un premier essai en quelque sorte, donc vous avez vu le titre, c'est Développe tes capacités psychiques, épisode 1. Je vais vous expliquer un peu en quoi, comment ça va se dérouler. En fait, je vais venir vous présenter un objet, une photo, quelque chose. Et quand je vais vous le présenter, en fait, directement, eh bien, vous allez vous connecter à cet objet et vous allez directement taper en dessous, si vous avez envie de participer, bien sûr, vous allez vous connecter à votre intuition et tout ce que vous allez ressentir comme émotion, ça peut être une image, ça peut être un son, une musique, des mots qui vous viennent, eh bien vous les mettez directement, vous mettez ce que votre intuition, elle ressort par rapport à cet objet, par rapport à ce qui entoure l'objet, l'histoire, s'il y a des choses qui vous viennent, des phrases peut-être, bref, vraiment tout ce qui vous vient, des impressions, eh bien vous les notez. En commentaire. Et alors, ce que je ferai, c'est que je ferai la réponse, si vous voulez, à cet épisode, à ce premier épisode, et je viendrai vous raconter l'histoire qui est liée à la petite histoire, hein, c'est pas une grande histoire, la petite histoire qui est liée à l'objet en particulier, ou à ce que je vous ai présenté. Donc vraiment, c'est le but, c'est de se connecter. Il n'y a pas de mauvaise réponse en soi, sachez-le, parce qu'on canalise tous d'une manière différente. On a tous, voilà, notre manière de recevoir les informations, et je suis sûre que ce sera lié à ce que je vais vous présenter. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez envie de participer, ici, je vais vous montrer le premier objet. Enfin, il n'y en aura qu'un par vidéo, ne vous inquiétez pas. Je vais vous le montrer un peu dans tous les sens. Vous pouvez faire pause aussi. Et puis, notez, voilà, directement ce qui vous vient, mettez-le en commentaire. Je ne répondrai pas à ces commentaires directement parce que je ferai donc une vidéo de réponse par rapport à vos commentaires que je lirai un par un. Et voilà, je vous dirai comment c'est lié par rapport à l'histoire qui est avec cet objet en question. J'espère que j'ai été assez claire, j'espère que ça va vous plaire. Ce sont des séries de vidéos, ce sont des vidéos qui m'ont été inspirées par mon amie Tara, qui fait la même chose en anglais. Donc si ça vous dit d'aller voir, en anglais ça s'appelle Develop Your Psychic Abilities. Et donc elle a déjà fait, je pense, 9 vidéos, il me semble. Et c'est très chouette à faire. Après, ben voilà, de son côté, c'est en anglais. Donc moi, je lui ai demandé ça. Ça ne te dérange pas si je le fais en français, mais elle me dit, mais non, vas-y, on est dans le partage, on est, voilà, c'est des choses qu'il faut partager. Donc, si toi, de ton côté, tu présentes des choses et que ça peut aider des personnes, mais surtout, vas-y, donc c'est super. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, je vais commencer directement maintenant, je vais vous montrer l'objet, et puis voilà, je clôturerai la vidéo, et j'attends évidemment vos ressentis, vos impressions, ce qui vous vient vraiment là en premier. Donc n'oubliez pas qu'à partir du moment où vous commencez à trop réfléchir, que vous commencez à réfléchir tout court, vous êtes dans le mental, vous ne travaillez plus avec votre intuition. Voilà, donc on est là pour développer les capacités psychiques, qu'elles soient, voilà, que vous entendiez, que vous soyez clairaudient, que vous soyez clairvoyant, que vous receviez, que vous êtes un canal. Voilà, peu importe, juste écrivez tout ce qui vous vient et moi je reviendrai vers vous pour vous expliquer un peu le contexte de cet objet en question. Et pour le premier épisode, j'ai choisi ceci. Donc c'est une bouteille de parfum, hein, comme vous pouvez le voir, le Light Blue Dolce & Gabbana, une eau de toilette. Et c'est tout ce que je vous dirai évidemment. Voilà, c'est une bouteille classique, hein, mais notez ce qui vous vient, les impressions que vous avez qui sont liées par rapport à cet objet, par rapport à cette bouteille de parfum.
Voilà, en tout cas, ben, on se retrouvera pour l'épisode suivant où je lirai vos réponses et voilà, je vous dirai en quoi c'est lié par rapport à l'histoire qui est derrière cette bouteille finalement. Pardon. J'espère que ça vous plaît comme exercice pour développer votre intuition, vos capacités psychiques. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à la partager aussi. Et moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous envoie plein de bisous lumière. À bientôt!